Bonjour, tu regardes ASMR Frères. C'est Noël, c'est Noël, les Vlogmas d'ASMR Frères. Il est actuellement 15h21, nouveau Vlogmas. 15h21, pourquoi? Je vous prends seulement maintenant parce que ce matin je suis rentrée à l'appart, c'était genre 11h. Du coup j'ai fini le montage de la vidéo de demain seulement maintenant. Il y a ma vidéo aussi qui doit sortir aujourd'hui qui a toujours pas fini d'être importée. Parce que, enfin j'ai bien fini le montage hier, mais juste l'importation n'avait pas fini d'être faite. Et là la vidéo est à 75%, sauf qu'il est 15h22, la vidéo est censée sortir dans moins d'une heure. Donc je pense que pareil, je vais encore faire ma technique d'aller dans la voiture et d'essayer de capter la 4G quelque part parce que là c'est pas possible. Et l'autre vidéo, pareil, enfin du coup j'ai fini de la monter, j'ai fait la miniature et tout, donc je suis vraiment trop contente, franchement j'ai grave avancé. Puis d'un côté c'est pas mal comme ça, si je vais dans la voiture au moins il y aura les deux vidéos qui seront postées ensemble normalement. Et ça c'est nice. Mais ouais, je suis dégoûtée de vous prendre tard comme ça parce que bon, au final même on a mangé, je vous ai même pas montré ce que j'ai mangé. Parce que bah on a mangé vite fait, en plus j'avais la carte mémoire dans l'ordinateur et tout, je pouvais pas l'enlever tout de suite, j'en avais besoin. Donc bah du coup j'ai pas pu filmer, bref. Faut que j'arrête de parler parce qu'il est 23, faudrait peut-être que j'aille dans la voiture juste et que je ferme ma bouche. Et voilà, me voilà dans ma voiture, je suis genre à Leclerc. Parce que je sais qu'ici on capte super bien la 4G. Et du coup pareil, enfin toujours la même technique, je suis en partage de connexion avec mon téléphone. Et du coup voilà, ma vidéo c'est bon, elle s'est uploadée. L'autre vidéo, je sais pas du tout où est-ce qu'elle en est. Ah bah pareil, uploadée, donc c'est nickel, il y a mes deux vidéos qui sont uploadées en 2 secondes. Et du coup après tout ce que j'ai à faire c'est rajouter l'écran de fin pour les deux. Et après je mets les pubs. Et aussi je vais profiter d'être là dans un endroit où je capte pour envoyer un WeTransfer à mon agent parce que je devais lui envoyer un truc pour une marque, enfin pour une application, et ça marchait pas parce que je capte rien. Enfin je sais pas pourquoi WeTransfer, quand tu captes vraiment pas bien la Wi-Fi ça va très lentement, même ça va jamais jusqu'au bout, et je comprends pas pourquoi ça fait ça. Genre ça fait plusieurs fois que j'essaye d'envoyer un WeTransfer à mon agent de chez Naomi et à chaque fois ça ne veut pas s'envoyer. Je suis obligée d'être dehors pour que ça marche, sinon ça marche pas. J'envoie ça et puis après je m'en vais parce que du coup j'ai plus rien à faire ici. Et vraiment c'est depuis que je suis revenue hein, que j'ai commencé, que j'ai essayé de transférer ma vidéo là pour la marque. On va voir là en combien de temps ça se met. Hop. 0%, 5, 16, 24, 29, 32, 40, 48, 54, 56, 62, 68, 73, 79, 87, 95, 100%. Et c'est fini. Voilà. T'imagines, genre quand j'étais chez Naomi, vraiment ça ne voulait pas s'envoyer. Alors que vraiment c'est resté allumé pendant plusieurs heures. Là vraiment, c'était quoi ça fait? Ça fait quoi, 10 secondes? 15 secondes, ça s'est envoyé directement. Bon, je sais pas du tout ce que je vais faire. Ce soir, j'ai quelque chose de prévu, je sors. On va aller... je sais plus, apparemment, il y a un nouveau bar d'ambiance qui a ouvert à Poitiers. J'ai un pote qui voulait tester, puis moi, j'avais envie de sortir. Enfin, en gros, c'est moi de base qui ai dit « J'ai envie de sortir !» Du coup, bah, il m'a dit... Oh là là, il a dit qu'il y avait un nouveau bar d'ambiance du coup qui avait ouvert à Poitiers et que ce serait cool qu'on aille tester. Et en effet, je suis plutôt d'accord avec lui. Et je sais pas, peut-être qu'on ira en boîte après. À voir. J'ai fait ça dans mon bonnet hier. J'avais un peu de temps et j'espère que je vais le terminer d'ici peu. Là, je me lance là-dedans parce que je sais pas quoi faire d'autre. Et voilà, du coup je sais pas trop en vrai ce que je vais vlogger aujourd'hui parce que je vais faire le même maquillage que la dernière fois, donc ça sert à rien que je vous remontre une deuxième fois. Enfin je galère parce que c'est pas la technique où je galère, c'est vraiment genre mon fil il est noir et du coup je vois rien de ce que je fais. En fait il faudrait que j'allume la lumière. Mais ouais, je sais pas trop ce que je vais filmer. Après, il faudrait que j'aille en ville pour voir les ratoutous et que j'envoie un colis Vinted. Putain, ça fait je sais pas combien de fois je me dis qu'il faut que je l'envoie et que je le fais pas. Et ouais, c'est ce que je disais à Raph. En vrai, je suis grave contente d'avoir commencé le crochet parce que ça fait pas mal de temps que... Je sais même pas si j'en ai parlé sur YouTube, mais ça fait pas mal de temps que j'aimerais bien commencer une activité manuelle parce que je me dis que... Enfin, je me suis toujours dit que pour le stress et tout, ça me ferait sûrement beaucoup de bien. Puis même genre, ça me permettrait d'éviter d'être tout le temps sur mon téléphone parce que quand je m'ennuie, souvent ce que je fais, c'est que je vais sur TikTok et tout, comme un peu tout le monde aujourd'hui. Et le truc, c'est que, bah, forcément, c'est assez abrutissant. Et j'avais vraiment envie de me trouver une activité un peu plus apaisante et tout pour mon cerveau. Et j'avais pensé à certains trucs, genre la broderie et tout, le dessin. Et au final, je trouve que le crochet, c'est la meilleure idée que j'ai pu avoir. Et ça, c'est grâce à Raph que je l'ai eu, cette idée. Parce que ça mêle activité manuelle, donc une activité que je voulais grave... Enfin, moi qui voulais grave commencer une activité manuelle, ben voilà, je suis vraiment dedans. Et en plus, ça mêle aussi la mode. Enfin, vraiment, la mode, c'est une de mes passions. Mais ouais, au moins, genre, tu vois, genre, si j'ai une idée de vêtements que je veux avoir, et ben, je peux le faire. Je suis vraiment trop contente. Et j'espère vraiment que je vais continuer. Mais c'est cool aussi que j'ai Raph qui est en face. Parce qu'avec Raph, on se voit super souvent. Et ouais, genre, le fait qu'il y ait elle aussi qui est en face, quelque part, ça me motive. Parce qu'on peut se voir et se faire des petites réunions crochet et tout.
Bon, j'ai fait 3 rangées de crochets. Ça part pas en zigzag comme hier, donc je suis contente. Par contre, là, j'ai fait une petite erreur. J'ai l'impression il y a un petit trou. Et du coup, là, je pense que je vais partir parce que je... oh, la nuit, elle commence à tomber. Donc, on va s'habiller. Voilà, je mets tout simplement un t-shirt avec un jogging. Et je vais mettre un pull par-dessus. Hop, et après, je vais mettre mon manteau vache, là, le panda. Mais Air Force One blanche. Putain, j'avais complètement zappé que le soleil, maintenant, est tombé super tôt. Enfin, que la nuit, maintenant, est tombée tôt. Et j'ai pas trop envie de faire une balade dans la forêt, dans la nuit, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le collier lumineux de Toz au cas où. Si jamais il fait nuit, comme ça, au moins, je sais où il est parce que je détache en forêt. Et après je vais prendre cette laisse là que je mets absolument tout le temps en ce moment parce qu'elle est vraiment pratique. Et après je prends juste ma pochette avec mon téléphone et je vais mettre ma caméra dedans. Et on est parti. Je prends juste mes clés de voiture aussi. D'ailleurs très pratique mes clés de voiture, elles ont... Enfin j'ai un porte-clés avec un petit truc comme ça et comme ça je l'accroche à ma pochette. Super. Je l'ai mal accroché. Je l'accroche à ma pochette et comme ça, bon, bah, elles sont tout le temps accrochées à moi, je ne les perds pas. Toi aussi tu vas rester bien accrochée à moi, comme ça je te perds pas non plus. Putain, mais j'ai vraiment... Je suis nulle aujourd'hui. Bon, voilà. Bon, on va essayer d'appartement. On va s'occuper des voûtes. J'ai presque plus de batterie. Bah écoutez, on va passer à une qualité iPhone, c'est parti. Et voilà le travail. Là maintenant, avec bébé aussi, là, il est pas à l'aise, mon bichon. Faut que je fasse un colis Vinted pour l'envoyer ce soir. Et après, on va aller se promener. Et voilà, j'ai fini mon colis Vinted. Donc ben, maintenant, on va partir se promener. Bon, du coup, là, on est parti en promenade. Donc j'ai mis le collier lumineux à Toz. Toz ? Toz ? Ah bah... Caca, pauvre petit gars. Je lui ai mis son petit collier lumineux. Et après, il a son harnais qui est réfléchissant, mais du coup, ça fait. Ça réfléchit que quand il y a de la lumière, mais là, on est vraiment en forêt, donc il y a presque. Enfin, là, on est au début. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore un peu des lampadaires, mais après, plus tard, il y a vraiment plus du tout de lumière. Je vous avoue, je suis un peu en flip, mais bon, je le fais pour faire plaisir à Toz. Ça fait quelques temps qu'on n'est pas revenu ici, parce que dernièrement, genre, on se baladait surtout auprès de là où on habite, parce qu'il y a plein de coins à découvrir. Et ouais, genre, en vrai, ça, cet endroit, il aime trop Toz. Regardez-moi ce petit monstre. Moi, c'est que tu sais, mon amour, t'es content? Alors, il est actuellement 20h43. C'est pas du tout le moment de faire ça, mais je vais quand même le faire. Je vais faire mes ongles. Bonsoir, on s'est pas vu aujourd'hui. J'espère que ça va. Maëva, elle va en soirée? Du coup, je clôture le vlog avec Toz qui est content parce qu'il comprend rien. Et Maëva qui cherche toutes ses affaires depuis 10 minutes. Elle a dit qu'elle part dans une demi-heure. Il y a une demi-heure. Elle est en retard, mais c'est pas grave. Ça a coupé, il n'y a plus de batterie. Moi, je vais dormir. Bisous, parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui.